sur Internet, comme l'autre série de la semaine sur les charmes de la Picardie, après les ortillonnages d'Amiens et le château de Chantilly. Aujourd'hui, bah vous le devinez derrière moi, un paradis pour les pêcheurs et les vrais amoureux de la nature, les célèbres étangs de la Somme, du côté de Corbie, Guillaume Desplanques et Thierry Chartier. La vallée de la Somme est une mosaïque d'étangs et de marais. Certains plans d'eau ont été creusés par les moines, ils servaient de vivier pour se nourrir. Il reste aujourd'hui pour Alain un lieu de prédilection pour tous les pêcheurs. Oh ben, de toute façon, c'est notre petit coin de paradis. Hein. Quand on veut se ressourcer le week-end, on vient passer quelques heures le dimanche. Et puis ça fait du bien. Ici, la pêche est une passion transmise de père en fils. Depuis l'âge de 5 ans, j'allais à la pêche avec mon père et puis c'est devenu plus qu'une passion. Quoi. Je veux dire, de toute façon, on est né ici, on y tient, voilà, quoi, on est enraciné. Ouais. De la tanche, de la carpe ou encore de l'anguille, c'est le brochet que tout le monde espère avoir au bout de sa ligne. Ouais, faut attraper un brochet en direct, ce serait bien. Ça serait bien. Un beau site. Ouais. Ton poisson. Hein, ouais, qu'on doit préserver. Pas besoin d'aller loin. Hein, pas besoin d'aller loin. Pas besoin d'aller au bout du monde. Non. Hein. Alors, on va aller voir les fleurs de nénuphar. Et un héron là-bas sur le côté aussi, tiens. Le temps d'une balade en barque, Christian ne se lasse pas des paysages qui s'offrent à lui. Protégé et préservé par le Conservatoire des espaces naturels de Picardie, ces étangs sont un écrin pour la faune et la flore. Si vous voulez, pour nous, c'est notre patrimoine. Hein. C'est vraiment un site exceptionnel. Hein. Si vous voulez, dans le coin, il n'y a pas grand chose d'identique. Hein. C'est la sérénité des lieux qui incitait ce couple de retraités à investir dans un mobile home au bord de l'eau. Un monde à part où la notion du temps n'est plus la même. On est là depuis le mois d'avril. Ici, oui, mais depuis le mois d'avril, voilà. Depuis qu'on est en retraite, madame a 56 ans, ça fait 6 ans qu'on revient. J'ai 66, 10 ans. Enfin bref. Christian est venu pour le week-end, une jolie parenthèse, avant de retourner en ville. C'est ce qu'on cherche, hein. Ou alors il faut aller à la mer et puis être là sur l'autre et dans le bruit et la musique. Hein, Alors ici, vous entendez quelque chose, vous? À part les oiseaux? Rien? Voilà. C'est du bonheur. Les belvédères qui dominent la vallée de la Somme offrent aux visiteurs de magnifiques panoramas. Un site exceptionnel, une destination nature au fil de l'eau. C'est vrai, c'est un véritable paradis, ces étangs de la Somme. Demain, village extraordinaire. Jurand Picardie, célèbre pour ses roses, Gerberoy dans l'Oise. La bourse